Au-delà des cultes à possession dont nous avait parlé Bertrand L., dont nous avait parlé Clara Acker, aussi bien à travers la confrérie Negnawa que les cultes dionysiaques, Didier Dumas, à partir de la pratique analytique qui était la sienne, nous avait entraîné hier vers un horizon chamanique. Aujourd'hui, prenant le relais précisément de ce que Didier Dumas essayait de nous exposer, c'est Jean-Patrick Costa qui va nous parler directement des phénomènes chamanistiques et plus particulièrement à l'intérieur de ce monde, de la relation de l'homme avec la plante à l'intérieur d'une civilisation qui est à fondement chamanique. Jean-Patrick Costa est un pharmacien de formation. Il est ce qu'on appelle aujourd'hui un ethno-pharmacien, c'est-à-dire quelqu'un qui s'appuie en même temps sur une connaissance scientifique avec toute la rigueur que cela suppose et qui, de ce point de vue-là, s'intéresse énormément à la biologie. Et à travers cet usage des plantes que l'on trouve dans les univers chamaniques et particulièrement des plantes hallucinogènes, il essaie de nous introduire à une réflexion qui, d'une certaine manière, fait bouger beaucoup de nos certitudes. Car à la fois, il y a là comme une sorte de légitimation de la plante hallucinogène, mais, bien entendu, et sans cela, on passe complètement à côté de son propos, une légitimation de la plante hallucinogène lorsqu'on s'en sert dans le cadre qui est le sien dans le chamanisme, c'est-à-dire dans un cadre extrêmement symbolisé, dans un cadre extrêmement ritualisé, en dehors duquel cet usage, évidemment, perd tout son sens, perd toute sa signification, et peut au contraire se retourner contre l'humain, peut arriver à le détruire complètement. Et ce qui est tout à fait intéressant, c'est effectivement à travers cette démarche, qui est à la fois une démarche scientifique, au sens des sciences dures, et cette démarche qui est aussi une démarche scientifique, mais au sens des sciences humaines, c'est-à-dire de celles qui veulent comprendre les phénomènes psychiques les plus profonds qui sont mis en jeu dans un certain type de pratique, c'est un horizon nouveau qui se découvre et en même temps une sorte d'animation du monde qui peut nous paraître assez étonnante à première vue puisqu'on sait que le but de la science avait été précisément de désanimer, de désenchanter le monde, mais où on trouve là comme une sorte de voie nouvelle de réflexion qui éventuellement nous permet de tenir d'une part la rationalité la plus stricte, c'est-à-dire comprendre comment la plante agit et en même temps ce qui est de l'ordre de quelque chose qu'on pourrait appeler le symbolique, c'est-à-dire la manière dont, à travers une réalité visible, il y a quelque chose de l'au-delà du visible qui est en train de se dire, qui est en train de se jouer. Et là, de toute façon, même si la réflexion n'est pas aboutie, même si on ne peut en tirer encore aucune conclusion définitive, il y a à l'évidence un chemin de recherche, un chemin d'enquête qui est ouvert. Le travail que je vais vous présenter se situe délibérément à cheval, à la frontière, entre sciences de la nature et sciences sociales, plus précisément entre ethnobotanique et anthropologie cognitive. Précisons aussi d'emblée que cet exposé s'inspire en grande partie d'une expérience personnelle pendant plusieurs années, dans le cadre d'un programme de santé aux côtés des chamans amazoniens ayahuasquero et plus précisément des indiens chouars, qui appartiennent à la constellation Jivaro. Et donc, par conséquent, la transe chamanique qui sert de base à cet exposé fait référence à un état psychique particulier induit par l'absorption d'une préparation d'origine végétale appelée ayahuasca en langue quichua. Ce breuvage, traditionnellement utilisé par toutes les ethnies d'Haute-Amazonie, est issu de la décoction prolongée de deux plantes différentes, la liane de Banisteriopsis caapi et les feuilles de l'arbuste Psychotria viridis. Alors le mélange de couleurs marron et fortement amer contient de nombreux alcaloïdes psychotropes qui agissent de manière synergique et dont les plus importants sont la diméthyltryptamine et les composés de la famille des bêta-carbolines, à savoir l'armine et l'armaline.
Alors, les scientifiques continuent de s'interroger comment des Indiens sans écriture, ni technique d'investigation formelle, par ailleurs immergés dans une extrême biodiversité, ont pu trouver une telle préparation, car il semble bien que l'association savante des deux plantes soit nécessaire, l'une potentialisant l'autre. La diméthyltryptamine, comme toutes les tryptamines d'ailleurs, est un inhibiteur, excusez-moi de ce jargon scientifique, de la monoamine oxydase cérébrale, et à ce titre un puissant antidépresseur. Lorsque Jean-Patrick Costa parle d'inhibiteur de monoamine oxydase, il suffit de prendre les initiales de ces mots pour avoir les IMAO. Les IMAO, c'est-à-dire des antidépresseurs extrêmement puissants dont on se servait beaucoup plus qu'aujourd'hui, effectivement, il y a une quarantaine d'années, au moment où ils ont eu en quelque sorte leur heure de gloire, mais donc des substances chimiques dont l'influence sur le cerveau est absolument reconnue et qui sont de très puissants régulateurs de l'humeur. Combinée à l'armaline et à l'armine, elle parvient à multiplier par 2, voire par 3, le taux de sérotonine circulante dans le cerveau pendant plusieurs heures. Lorsque Jean-Patrick Costa parle de sérotonine, il désigne en fait ce que l'on appelle un neurotransmetteur, c'est-à-dire un certain nombre de molécules chimiques qui, dans le câblage neuronal de notre cerveau, assurent, à travers les synapses, le passage de ce qu'il est convenu d'appeler l'influx nerveux. Et on sait très bien que lorsque ce système de neurotransmetteurs est perturbé, souvent se déclenche quelque chose de l'ordre de la pathologie mentale et où on sait que tout un certain nombre de médicaments de l'esprit, de ce qu'on appelle des psychotropes ou des neuroleptiques, sont aujourd'hui précisément des médicaments qui remettent en place, si l'on peut dire, la neurotransmission et qui souvent d'ailleurs consiste dans ce qu'on appelle des recapteurs de la sérotonine. Alors une parenthèse sur la sérotonine, par exemple le Prozac, qui est un antidépresseur très connu, permet d'augmenter le taux de sérotonine de 5 à 10% de manière continue, c'est-à-dire jour et nuit et pendant toute la durée du traitement. Ce qui a fait dire à des neurobiologues qu'en fait la sérotonine était la molécule du bien-être. Et que, par conséquent, il faut voir que la sérotonine joue un rôle déterminant, à la fois comme elle est carburant du système cérébral, à la fois déterminant sur l'humeur et sur la cognition. Alors, l'effet clinique corollaire à cette importante hausse de sérotonine, je rappelle, une augmentation de 100 à 200%, a été fort maladroitement qualifié d'hallucinatoire. L'ayahuasca générait des visions imaginaires sans rapport avec la réalité. Or, ce n'est pas du tout le point de vue des utilisateurs traditionnels de l'ayahuasca, dont la conception de la réalité et de l'illusion sont fort différentes de la nôtre. Pour eux, l'ayahuasca leur ouvre les portes d'une réalité plus solide, plus complète que celle que nous laissent entrevoir nos sens ordinaires. Tous les Occidentaux qui ont expérimenté ce breuvage vous diront avoir ressenti, et là je cite Jean-Pierre Vallat, des modifications de la conscience de soi et une transformation des rapports avec le monde. Sentiment fort éloigné, vous en conviendrez, d'une confusion mentale à l'égard des personnes, de l'espace ou du temps. C'est cette expérience vécue, et là j'insiste sur le mot vécue, qui a poussé bon nombre d'auteurs à proscrire les termes d'hallucinogène, de délirogène, voire de psychédélique. On leur préfère aujourd'hui les termes d'entéogène, et là on retrouve l'enthousiasme, c'est-à-dire générateur d'un sentiment divin à l'intérieur de soi. On a aussi proposé adaptogène, c'est-à-dire favorisant l'adaptation à l'environnement, voire encore empathogène, améliorant le contact avec les autres. Alors la bataille des mots est loin d'être innocente, car ceux qui rejettent ces nouvelles terminologies sont précisément ceux qui se refusent à expérimenter sur eux-mêmes un tel état.
Quel est donc ce fameux état que nous venons de décrire en termes de modification neurobiologique? Alors, ce que l'on observe cliniquement, c'est que des phases d'hyperexcitation et de catalepsie extatique se succèdent dans des proportions variables d'un sujet à l'autre. Autre point important, les sens se trouvent découplés et l'on entend mieux, c'est-à-dire que l'ouïe est développée, le sens tactile est surdéveloppé aussi. Et comme l'ayahuasca est photosensibilisante, on ne peut le prendre que de nuit, on a une forme de vision nocturne améliorée. Autre point important que tous les expérimentateurs ressentiront, c'est que le cours de la pensée semble accélérer. On pense beaucoup plus vite, on fait des associations mentales beaucoup plus rapides et au-delà de ce que l'on a l'habitude de ressentir dans le cadre ordinaire. Alors, ces changements tant perceptuels qu'émotionnels conduisent la psyché à construire des significations nouvelles de la réalité. C'est là que l'on peut parler de vision comme étant le résultat d'une réinterprétation de la réalité lorsque les cadres psychiques ordinaires sont abaissés, voire abolis. La transe vécue comme une expérience hors de soi conduit à sentir le monde différemment, un peu comme si notre réceptivité s'en trouvait modifiée. Alors les chamans amérindiens en parlent avec leurs mots, et voici quelques phrases que j'ai pu moi-même collecter sur le terrain. Pour comprendre le monde, il faut prendre la grand-mère ayahuasca. Elle est une plante enseignante, intelligente et maîtresse. Alors dans cette phrase, par exemple, vous pourrez voir que l'ayahuasca est considérée comme une grand-mère, quelque chose d'ancestral, mais elle a aussi une forme tout à fait personnifiée, anthropomorphe. Elle est enseignante, intelligente, elle est un maître. Autre phrase, elle travaille en moi lorsque je la prends. Tout ce que je dis vient de la plante, c'est elle qui me l'a appris. Autre phrase, elle me permet de voir le corps en transparence et de localiser une zone opaque, siège de la maladie. Alors ça, c'est une caractéristique que l'on retrouve partout en Haute-Amazonie. Le diagnostic, les yeux fermés, permettant de voir le corps comme sous la forme d'une aura, et dans lequel on va voir un lieu précis, un endroit opaque, siège de la maladie. Alors, à la lumière de ces quelques phrases, on ne peut être qu'impressionné par le lien fort que les chamans tissent avec les plantes. Tout évoque l'existence d'une communication à double sens entre l'homme et la plante. C'est pour mieux appréhender cette communication que je vous propose de passer en revue les différences majeures qui séparent le règne végétal et animal. Alors le premier point, c'est que dans l'évolution, les plantes sont historiquement antérieures aux animaux. Et à ce titre, on peut parler d'une relation mère-enfant. Très important ce point, que l'on retrouve tout de suite dans le deuxième point, à savoir que les plantes sont autotrophes, donc totalement autonomes. Elles n'ont pas besoin du règne animal pour vivre. Alors qu'à l'inverse, les animaux dépendent des plantes pour leur survie. Et là aussi, on voit un parallèle entre un adulte, une mère, qui est autonome, relativement autonome, et des enfants qui restent dépendants de leurs parents. Surtout dans le jeune âge, en tout cas. Troisième point, et très important aussi celui-là, c'est la fixité des plantes. Les plantes n'ont d'autres ressources que de s'adapter au milieu où elles se trouvent, et notamment, elles consacrent 90% de leur génome à la synthèse chimique. À l'inverse, les animaux, de par leur mobilité, ont la capacité de fuir et ont développé un système nerveux central adapté à la fuite. Alors ce point est très important, puisqu'en fait, on peut penser que dans le règne animal, la seule production chimique visant à s'adapter à l'environnement, c'est le système immunitaire. Et d'ailleurs, ce n'est pas étonnant que dans des situations de pollution, de concentration de toxiques, ce soit le système immunitaire qui soit le premier affecté avec toutes les allergies que nous connaissons actuellement. En fait, les plantes, elles, ont comme stratégie identique au système immunitaire, mais 90% de leur génome est consacré à cette synthèse chimique. Le cinquième point me paraît plus important, c'est la grande longévité des plantes, qui est bien supérieure à celle des animaux. Et
En accord avec ça, on peut remarquer que leur taux de mutagénèse est très élevé, alors que chez l'animal, une mutagénèse élevée est complètement létale. Mutagénèse létale, ces deux mots peuvent sembler assez obscurs. En réalité, ils désignent un phénomène assez simple, c'est-à-dire la manière dont s'enclenche une mutation, puisque l'on sait très bien que, d'une certaine façon, il y a une vie des cellules qui nous composent et qu'un certain nombre de mutations qui se produisent dans notre corps sont parfois les mutations les plus dramatiques qui puissent exister. Il suffit par exemple de penser au cancer où il s'agit effectivement de mutations de cellules qui tout à coup vont envahir l'organisme. Et lorsqu'on parle de mutagénèse létale, c'est précisément cela que l'on veut désigner, puisque létale, c'est l'action de la mort, c'est-à-dire la manière dont un certain nombre de cellules mutent, introduisant en fin de compte ou amenant à terme à une mort de l'organisme. Autre particularité du règne végétal, il existe une seule lignée cellulaire indifférenciée, capable de donner des cellules somatiques, mais aussi des cellules germinales à tout moment, c'est-à-dire qu'elles gardent la potentialité d'engendrer continuellement. D'où le sixième point qui est tout à fait en relation, c'est qu'à la différence des animaux, le règne végétal possède plusieurs voies de reproduction possibles et ne se contente jamais de la voie sexuée. On peut citer les rejets, les autogreffes, les bouturages, l'hybridation. Et puis un phénomène que le règne animal n'a jamais réussi à faire, c'est la fécondation sèche, c'est-à-dire en se passant de l'eau. Autre chose que le règne animal n'a jamais réussi à faire non plus, c'est une procréation retardée qui apprivoise le temps. Et c'est le cas des graines qui peuvent se maintenir pendant des millénaires et assurer une certaine reproduction de l'espèce à travers un temps très long. Si le règne animal a opté pour une évolution génétique transgénérationnelle, c'est-à-dire d'une génération à l'autre, le règne végétal a misé sur une évolution tout azimut, incluant le trans, mais aussi l'intragénérationnel. La coévolution élaborée par les orchidées est à cet égard l'exemple le plus marquant. Une fleur non seulement émet des exophéromones, c'est-à-dire des phéromones qui sont extérieurs à son espèce, c'est-à-dire interespèce, voire interrègne, c'est des produits chimiques volatiles, à plusieurs centaines de mètres de distance pour capter l'intérêt des abeilles mâles. Mais elle parvient aussi, dans un deuxième temps, à les leurrer en reproduisant physiquement les contours d'une hypothétique partenaire de l'abeille mâle, tout ceci pour assurer une reproduction sexuée dont le seul avantage et sa dissémination sur de vastes distances. Autrement dit, l'orchidée utilise les abeilles pour voyager. De quoi nous laisser songeurs. À partir de cet exemple, il est légitime de se poser la question si les plantes n'utiliseraient pas l'homme pour assurer leur dissémination, même si cela devait être au prix de quelques modifications phytochimiques mineures. Dans un monde qui perdrait toute once d'anthropocentrisme, voici que des plantes produiraient des composés psychotropes à la seule fin d'assurer leur reproduction, alors que d'autres opteraient pour la production d'amidon aux vertus alimentaires dans le but de coloniser la Terre. Si les plantes tentaient de communiquer avec l'homme, il y a fort à parier qu'elles utiliseraient l'une des spécificités du genre humain, c'est-à-dire la culture. Alors, en traversant différentes sociétés, on pourrait voir que dans les sociétés sédentaires agricoles, par exemple, on peut s'interroger sur le degré de coopération des plantes dans les phénomènes ayant concouru à leur domestication. En d'autres termes, les céréales ont-elles été transformées de manière passive par les premiers agriculteurs, ou bien ont-elles pris une part active à cette évolution ? Ailleurs, on observe que les sociétés semi-nomades ont sacralisé leur source alimentaire sylvestre principale. C'est le cas du palmier sagoutier en Nouvelle-Guinée-Papouasie, au point d'en assurer une gestion rigoureuse. Et là, on peut se poser la question, qui donc des hommes ou du palmier en tire le meilleur profit ? Alors, même si l'évolution du vivant reste un grand mystère, prêter une telle intentionnalité aux plantes dépasse bien sûr notre entendement et plus exactement notre conception du monde.
À l'inverse, pour les peuples chamaniques, l'étroite symbiose et l'interdépendance de tous les êtres vivants s'imposent comme une évidence. Il s'agit là d'une écologie intuitive et métaphorique qui s'élabore notamment à partir des rêves et des visions, pour ensuite s'ancrer dans les mythes et les légendes. Une phrase d'un chaman choua résume bien cette position. On ne trouve pas les vertus thérapeutiques d'une plante donnée, c'est elle qui se manifeste à nous. Donc il y a comme une inversion dans la conception indienne. Ainsi, les Indiens prêtent-ils aux plantes une certaine mobilité dans l'espace-temps, une capacité de communication inter-espèces et inter-règne, voire des facultés anthropomorphes. Autre exemple d'une phrase recueillie sur le terrain, les plantes se mettent en travers de notre chemin, les plantes médicinales par exemple, elles nous appellent, elles changent d'attitude si on leur parle. Alors c'est à mettre en relation, puisque je parle de plantes médicinales, avec le fait que les conceptions amérindiennes ne sont pas sur un principe actif qui serait l'agent soignant, mais en fait elles ont une conception d'une essence de vie. En fait c'est l'essence de vie de la plante, la mère, comme on appelle, la madre en espagnol, qui est à l'origine des actions thérapeutiques. D'autres auteurs ont essayé d'élaborer des pistes de réflexion permettant d'objectiver cette cohérence du vivant. Au travers de ces théories, l'enjeu majeur n'est pas tant de valider le savoir autochtone, mais de découvrir quel est le véritable mode d'acquisition de ce savoir dont on sait seulement qu'il est intuitif et non déductif. Alors je vais citer quelques théories, pour lesquelles je n'adhère pas forcément d'ailleurs, notamment celle de l'anthropologue Jérémy Narby, qui, inspiré par le gène égoïste de Dawkins, a notamment suggéré que les visions réitérées de serpents enlacés, qui sont des visions très fréquentes chez les chamans ayahuasqueros, pouvaient être des informations génétiques décodées par les chamans ayahuasqueros. Le physicien français Joël Steinheimer pense que les chants de guérison chamanique, les Icaros, les Kamlani, tout droit inspiré par les trans chamaniques, se calque sur les structures vibratoires de certaines protéines humaines, et que donc, par le son, il y aurait un soin. Alors là, je dis que j'ai eu l'occasion de travailler et de contacter Joël Steinheimer pour dire que malheureusement, si sa théorie est très intéressante, il s'avère que la plupart des chamans ont des chants types qu'ils appliquent à différentes pathologies sans discrimination. Donc il est très difficile de trouver un chant pour une maladie, un chant pour une autre maladie. Mais enfin, Le domaine est intéressant et il faut continuer à creuser là-dessus, surtout qu'on découvre en fait les propriétés vibratoires des protéines, quelque chose qui il y a 10 ans était complètement annihilé par la chimie. L'ethnologue américain Rimpinski Naxon, sur les traces de David Bohm, est une autre personne ayant élaboré une théorie autour de ça. Il évoque l'existence d'une mémoire de l'univers directement accessible aux chamans, qui n'est pas sans rappeler le Dreamtime des aborigènes australiens. Pour beaucoup d'anthropologues, ces différentes théories correspondent à ce que Jean-Pierre Chaumeil a appelé un durcissement des approches du chamanisme visant à lui trouver des bases plus rationnelles. En tout cas, moi je dirais que l'ensemble des pratiques, par rapport à mon intervention, l'ensemble des pratiques chamaniques ne procèdent pas forcément d'une haute inventivité dans le domaine des sciences de la nature, et que sûrement bon nombre d'entre elles relèvent pour une bonne part des sciences sociales. Dans une telle perspective, on peut avancer que les chamans ne parviennent pas toujours à obtenir des visions signifiantes, et qu'ils doivent alors se contenter de leurs acquis antérieurs, ou culturels, voire archétypaux, pour soigner dans l'urgence l'infortune pour laquelle on les sollicite. Il y a comme une recherche des visions signifiantes, mais elles sont rares. Et lorsque l'on ne les a pas, il faut bien s'accommoder de ce qu'on a pu apprendre par ailleurs. Alors en guise de conclusion, je dirais que l'attirance de l'homme pour les substances psychotropes est une constante historique. On en est sûr, les hommes depuis 10 000 ans ont recherché à s'allier et ont recherché des psychotropes. On peut bien sûr y voir une démarche thérapeutique visant à soulager son angoisse existentielle,
Mais si l'on prend la peine d'écouter les chamans, il y a dans ces plantes sacrées une source d'information pour comprendre et agir sur le monde. L'inspiration divine ou intuition, encore appelée révélation, ne serait alors qu'une vision signifiante qui s'obtient au prix de l'abolition de l'état ordinaire de conscience. L'ayahuasca, comme tous les autres psychotropes, comme certains... Et en même temps, en tant que, entre guillemets, savant, donc prenant un décalage rationnel par rapport à ce qu'il fait, mais nous a introduit d'entrée de jeu dans la fonction classificatoire. On dirait que Procus a lu Lévi-Strauss. Alors il dit ceci, « D'où vient en effet que l'héliotrope se meut en accord avec le soleil, le sélénotrope avec la lune, tous deux faisant cortège dans la mesure de leur force aux luminaires du monde. Car tous les êtres prient selon le rang qu'ils occupent, ils chantent les chefs qui président à leur série tout entière. Ainsi l'héliotrope se meut-il autant qu'il lui est facile de se mouvoir, et si l'on pouvait entendre comme il frappe l'air durant qu'il tourne sur sa tige, on se rendrait compte à ce bruit qu'il offre une sorte d'hymne au roi soleil, tel qu'une plante peut le chanter. Ne voit-on pas les pierres elles-mêmes respirer en correspondance avec les effluves des astres ? D'où encore, par exemple, le grand nombre des animaux héliaques, et il commence à faire une classification d'animaux selon le fait qu'ils soient dans une classification solaire ou une classification lunaire, dans le texte ici qui nous préoccupe. Donc on voit très nettement comment il perçoit très bien la fonction classificatoire des êtres, qu'il s'agisse d'êtres des animaux, des plantes, ou d'autres types d'êtres d'ailleurs qu'il fréquente dans ses travaux théurgiques, au travers d'une vision véritablement structurale de l'ordre du monde. Et dans le corpus hermétiste, un autre passage que j'ai un peu vite en entendant la communication sélectionnée, comment fait-on des statues pour les dieux ? Eh bien, il faut les faire de la même façon, selon la fonction classificatoire propre des différents types de vivants en fonction du dieu donné, pour que la statue ait son efficacité symbolique. Et c'est le mot tosymbolon qui est utilisé par l'auteur, et symbola donc au neutre pluriel. Composition, dit le corpus hermétiste, d'herbes, de pierres et d'aromates qui contiennent en eux-mêmes une vertu d'efficacité divine. Et si l'on recherche à les réjouir par de nombreux sacrifices, des hymnes, des chants, des louanges, etc., alors on touche l'harmonie, et comme on touche à l'âme du monde, on peut à ce moment-là espérer l'efficacité symbolique de ce que les chrétiens ont appelé par après les idoles. Donc ça montre bien comment des gens qui sont à l'intersection de deux mondes, le nôtre au fond d'un certain point de vue, mais encore le monde pratique de la théurgie qui fait partie de leur culture propre, mais ont très bien perçu ça. Oui, je donne tout à fait raison à Bertrand L. lorsqu'il insiste sur le fait que toutes les cultures, y compris les cultures qui connaissent des cultes de possession, comme c'est le cas très souvent en Afrique, utilisent des plantes dans la médecine, dans une médecine, disons, psychosomatique. Mais pour en venir à votre cascade, j'ai été dans une cascade avec des initiés du vaudou. Et ça n'a jamais l'effet d'un psychotrope, ça n'a jamais induit personne, ni moi-même, en transe. Donc je crois qu'il, tout de même, on parlait des plantes à effet psychotropique. Bon, alors on peut discuter pour savoir quelle est l'étendue d'une plante psychotrope, mais il est évident que les plantes qu'a évoqué monsieur ont un effet de psychotrope, exactement comme les drogues que nous employons en Occident et qui ont été évoquées par ailleurs. Donc je pense tout de même que m'accuser d'ethnocentrisme, c'est un peu gros. Non, c'est nous tous, parce que moi c'est pareil, je ne me suis jamais posé la question. Oui. Je peux vous garantir qu'aller sur une cascade, ça ne provoque pas une transe. Dans le camp d'emblée, moi à Mayotte, il y a une cascade, tous les initiés, quand ils vont, la guérisseuse, la Fundi, utilise la cascade quand les moyens de type para-hypnotique ne fonctionnent plus pour que le génie se déclare. Quand aucun des moyens, l'utilisation du battement de main, on n'arrive pas à établir la communication avec le génie, on emmène la personne sous la cascade et automatiquement et le génie se déclare. En tout cas, moi, je n'ai pas cette expérience. Dans le camp d'emblée, c'est très... Clara Acker. Par exemple, oui. C'est là le lieu de culte particulier pour ces fidèles-là, pour ces initiés-là. Et effectivement, ça peut arriver. Il y a des lieux
très fort. Enfin, je vous apprends rien, hein, dans la nature et, oui. et ailleurs. Il y a certaines églises, parfois, on se met sous la nef centrale, on sent quand même une vibration. Dans les cultes druidiques, il y avait toujours la présence de l'eau. Et dans le cirque de Gavarnie, vous avez une cascade sur le chemin de Saint-Jacques de Compostelle qui fait office, effectivement, de lieu pour obtenir des changements d'état de conscience. Mais le problème, si vous voulez, moi, je dis que, parce qu'on a beaucoup étudié ça avec nos formes de transhypnotique, c'est que tout le monde n'est pas susceptible de ressentir ce changement d'état de conscience. C'est-à-dire que, comme Jean-Patrick Cosset a dit, le chaman, enfin, dans ce que j'en sais, beaucoup moins que vous, bien sûr, mais ce que j'en sais, c'est qu'ils ne prennent effectivement pas toujours. Finalement, au bout de... C'est pour l'initiation, souvent, qu'ils utilisent les plantes. Après, c'est quelque chose qui déclenche eux-mêmes. Chez nos patients, par exemple, quand on utilise l'hypnose, Thierry, tu vas pas me contredire, parce que au bout d'un moment, il suffit de très très peu de choses pour obtenir l'état d'auto-hypnose qui va être favorable au traitement. Mais chez certaines personnes, on ne pourra pas. Bon, je sais que avec les techniques dites Erickson, confusionnelles et tout ça, bon, on a des tours de magie en quelque sorte. On arrive à forcer le mécanisme. Mais il y a des gens qui immédiatement rentre dans la transe, très facilement. Par exemple, si un professeur de yoga, par exemple, ça m'est arrivé souvent de traiter des gens comme ça, j'ai presque rien à faire, ils sont tout de suite dans l'état de conscience modifié. Et puis, il y a des gens chez qui c'est quasiment impossible. Et d'ailleurs, on n'insiste absolument pas, c'est que la technique n'est pas utilisable pour eux, ça n'a pas d'intérêt. Pareil avec la cascade, c'était pas votre truc, la cascade de douche. Là, ce psychiatre se sent aussi servi pour Pour ajouter quelque chose sur les cascades, les Amérindiens considèrent les lacs, les montagnes, les cascades comme des êtres vivants. On peut s'interroger sur le terme être vivant, justement, le minéral, par exemple. Et moi, j'ai l'impression que vivant, ça veut dire parce que je l'entends parler ou je sens venir un flux d'informations vers moi, donc elle est vivante. Et on pourrait, dans cette classification que j'ai fait entre le végétal et l'animal, rajouter quand même une partie qui est tous les éléments de l'univers, à savoir les étoiles, les montagnes, les lacs, qui sont franchement considérés comme des ancêtres au même titre que les plantes, par cette autonomie notamment qu'elles acquièrent dans la vie. Oui. Simplement, je me souviens quand même de cette histoire que je crois authentique, où des gens se sont retrouvés dans un camion frigorifique enfermé pendant un certain temps, croyant qu'il fonctionnait comme frigo, et ont fait une hypothermie considérable, alors qu'en réalité, il n'était pas branché à ce moment-là comme frigo. Les croyances qu'on a par rapport au lieu jouent quand même un rôle considérable. Ça me paraît évident qu'une cascade, la façon dont elle est vue, tout est là, pratiquement, tout est là. Enfin, et puis plus bêtement, plus simplement, il y a ce qu'on appelle faute de mieux, et c'est bien dommage qu'on l'appelle comme ça et qu'on le réduise à ça, tout ce qui est de l'ordre de l'effet placebo, évidemment. L'effet placebo qui est potentialisé par les médecines traditionnelles, de manière flagrante. La médecine occidentale cherche à s'affranchir de l'effet placebo, et les thérapeutes traditionnels jouent pleinement et cherchent à potentialiser cet effet. C'est une arme thérapeutique parmi les plantes. Ça, c'est je voudrais bien dégager cet effet, parce que en médecine occidentale, et notamment pour les pharmacologues, je veux dire, l'effet placebo est nul. On s'arrange à le mettre à zéro. Par les essais de double aveugle, c'est une tentative en tout cas de le mettre à zéro. Donc après, on cherche l'effet chimique au-delà de l'effet placebo. Ce qui... Je peux tout de même dire que là, c'est pas votre pensée, hein, c'est le vocabulaire qui nous met en danger de Molière. Hein, parce que l'effet placebo, c'est ce qui reste quand on a tout éliminé. Et puis alors, on dit que ce qu'on a éliminé potentialise ce qui reste. Il y a une espèce d'apparente explication scientifique avec le terme potentialisé, qui est simplement, ben évidemment, puisque c'est ce qui reste quand on a tout éliminé, quand on rajoute ce qu'on a éliminé, on potentialise ce qui reste quand on a tout... il faut faire attention, c'est comme avec la sérotonine, avec du vocabulaire qui nous fait penser trop vite qu'on a compris là où on est au stade de la constatation la plus opaque. C'était plutôt
de dire que les Indiens savaient se servir de ce que nous, nous appelons les faibles égouts. Oui, mais nous appelons les... Je veux dire, continuer à parler de l'effet placebo, d'ailleurs, nous, c'est hérité de la partie la plus bête de notre tradition, donc ne mélangeons au moins pas notre bêtise avec les Indiens. D'ailleurs, l'effet placebo, c'est pas vraiment le terme, c'est l'effet psychosomatique, on va dire. C'est pas du tout pareil. Moi, ce que j'entends par effet placebo étant pharmacien, c'est simplement le bruit de fond dont on veut s'affranchir lorsqu'on veut prouver qu'un médicament est efficace. Donc à la limite, il est même pas étudié, on fait très peu d'études là-dessus, et on le connaît mal. Et la médecine ne se concentre pas du tout à étudier ça. Alors on peut dire que la musique potentialise le bruit de fond. On le laisse aux sociologues, si je puis dire, s'intéresser au domaine de l'hôpital, au domaine de l'effet blouse blanche, etc. Mais c'est pas un centre d'intérêt pour la médecine, c'est ça que je voulais dire. Alors que le thérapeute traditionnel l'inclut dans son champ d'investigation. Et il y a à peu près 6 mois, il y a une étude qui a été publiée par une équipe suédoise à propos de l'effet placebo et qui conclut qu'il n'y a pas d'effet placebo. Ce qui est assez étonnant quand même. Hein. C'était De la transe à l'hypnose, une émission proposée par Michel Cazenave. Avec aujourd'hui un exposé de Jean-Patrick Costa. Prise de son, Éric D'Agostino. Mixage, Noélie Pellegrin, Annick Champagne.